Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog. Là je vous prends, il est 8h. Je devrais être en train de partir. Et ma nounou a du retard, elle a eu des problèmes avec son portail pour sortir de chez elle. Donc pas le choix, je suis obligée d'attendre alors que c'est la seule journée où il faut que j'arrive à l'heure limite en avance au travail. Ma nounou est en retard. Ma puce, tu viens? Tu viens? Il fait chaud ici. Viens là. Elle est trop belle. Ça aussi, c'est une tenue de... Enfin, une tenue. Le t-shirt de Papa Kadabra. Papa. Oui, papa. Viens. Viens. Non. Non. En ce moment, elle est quand même pas tout le temps très contente, hein, cette petite puce. Eh, viens. Tu vas à l'école après, quand nounou, elle arrive, ma puce. Viens. Bon, on peut peut-être la voir arriver, la nounou. Donc oui, comme je disais, son t-shirt, c'est aussi de... Papa Kadabra, le site qui revend les vêtements d'occasion à pas cher du tout. Je remettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse de trouver des vêtements pour les enfants pas cher. Je sais plus jusqu'à quelle taille ils font, il faudrait que j'aille vérifier. En tout cas pour les enfants, là jusqu'à... Bon, Maxence il met du 4 ans, mais jusqu'à du 4 ans... Ah ce biberon, j'arrive pas à l'ouvrir tout seul, c'est bon la puce est rentrée. Jusqu'à du 4 ans déjà on peut, je crois 6, 8 ans, peut-être 10, c'est peut-être jusqu'à 10 ans. Mais bon, donc ce matin, boulot, je devrais rentrer pour midi, enfin aux alentours du midi, quoi. Et qu'est-ce qu'ils font? Les enfants, on se calme, on s'habille tranquillement, une fois que, voilà, une fois que le pyjama est, on le plie, comme il faut, pas en boule, et on le range, plie-le, s'il te plaît, merci. Et puis après, faudrait que, aujourd'hui, je vais rechercher ma robe à Cora qui a été retaillée. J'ai pas une nouvelle, donc je pense que tout s'est bien passé. Il faut que je retourne à Leclerc pour ramener la Tassimo. Hier, je l'ouvre et le bac d'eau, il est fissuré de là, tout là, comme ça. Donc, je vais la ramener, ticket de caisse, facture, enfin tout. J'espère que... C'est bien, Maxence. En carré. Oui, c'est super. J'espère que ça va pas déjà jouer la garantie et puis qu'ils vont nous dire, bah oui, on vous échange. C'est un défaut, quoi, où la boîte est tombée, le truc a cassé, j'en sais rien. Donc il va falloir que je fasse ça. La puce. Regarde, elle est toute mignonne. Coucou. Coucou, Théoui. Bah, pourquoi tu fais la tête? Tu es exprès? Bah là, vous me retrouvez à la maison. Et il est même pas midi. Je suis rentrée à 10h20. Il doit être 10h40 là. Bah je suis arrivée au travail, mon collègue m'a dit bon bah c'est annulé. Ce pourquoi j'étais montée a été annulé. Donc je suis rentrée directement à la maison au plaisir de la puce qui était contente de me voir. Ah ma puce. Hop, là j'ai décidé, vu que il n'est pas encore 11h, je pense que j'ai le temps. Je vais aller à Cora pour aller récupérer ma robe pour le mariage de ma sœur. Et puis, j'espère qu'elle s'est bien fait et qu'il n'y a pas besoin de refaire des retouches, que ça va tomber comme j'ai envie. Ce sera bien fait, quoi. Et puis après, j'irai récupérer les garçons. Et ça se trouve, je vais enchaîner Cora et les garçons. C'est sûrement possible, ça. Bah allez, j'y vais. Ça va ? Alors André, elle est dans cet état-là. Il y a un avion de chasse qui vient de passer au-dessus de la maison. Ça, j'ai les fenêtres ouvertes. Ça fait un boucan d'enfer. Et elle s'est mise à hurler. Elle m'a foncé dessus. Beau petite puce. C'est passé? Il n'y a plus de bruit? Il est parti l'avion? Oui? Je sais plus si je vous ai dit, en plus, on est bien arrivé à la maison, comme vous voyez. J'ai récupéré ma robe, je suis super contente, ça fait exactement comme je voulais. C'est long, c'est pas trop long non plus, je vais pas me prendre les pieds dedans dans ma robe. Bon, Dido, t'as besoin d'être avec maman. André a arraché le bout de papier peint qui était là-bas, encore au mur. Elle était à côté, elle a hurlé, ça a grippé dessus, ça... Ça s'est arraché, que voulez-vous, hein? Tant pis, de toute façon, on avait décidé avec JB de tout changer, le papier peint du salon, salle à manger. On ne sait pas encore quand est-ce qu'on va faire ça, mais on sait très bien qu'un jour ça sera fait. C'est beau, tu calmes la puce.
Bof. On va chercher les garçons? Parce que là, il va être l'heure d'aller chercher les garçons à l'école. Oui, il est parti, l'avion. Il est parti. On va chercher les garçons? C'est parti? Tiens, tu donnes à maman? Allez. On met à la poubelle, tu veux faire toi? Allez, vas-y, va mettre à la poubelle. Vas-y. Il n'y a plus d'avion, ma puce. Ils sont partis, les avions. Il n'y en a plus. Regarde, allez, viens, on y va. Je crois qu'elle est vraiment en panique totale. À Leclerc, je vais arracher une nouvelle gourde, déjà l'autre. Impossible de la retrouver. JB, de tout le week-end, il ne l'a pas vue. Moi, je suis rentrée hier, je ne l'ai pas vue. Et on lui a pris cette gourde-là avec... hop, je vous montre. L'effet paille. Hop. C'est ça que je voulais vous montrer. Quand c'est fermé, la paille, elle est dedans. Et puis, dès qu'on ouvre, on a la paille qui sort. Alors, forcément, ça se boit droit. Comme ça. Andrea fait... comme ça. Ça ne va jamais couler vu qu'il n'y a pas d'eau en bas de la paille. Mais elle est habituée à la gourde qu'elle avait avant où elle l'a soulevée jusqu'au-dessus de sa tête, là. Donc, bah, c'est un nouveau coup à prendre. Ça va aller. Je ne me fais pas de soucis. J'ai éclairé la nature. C'est bon. Elle le fait quand même. Même si, instinctivement, elle me lève la gourde en l'air. Oui, puce. Et ils sont partis, les avions. C'est bon. Ouh, à mon avis, ça va être le truc de la journée, là. Elle va avoir peur. Elle regarde le ciel. Elle montre... ouais. Allez, on va chercher les garçons. On va manger, puis on va le redéposer, mettre la puce à la sieste. Ça va faire du bien. Et moi, je pense que je vais me reposer en regardant un épisode de... oui, La Servante Écarlate. Je trouve ça trop bien comme série. J'adore. Donc, j'attends qu'une chose maintenant, c'est que l'après-midi, tout le monde soit à l'école et à la sieste pour pouvoir en regarder. Je vous prends voiture, il est 4h30 presque, je suis limite en retard. Bon, ils ont tendance à laisser les enfants partir un peu plus de 30, donc ça va. C'est juste que j'aurais pas de place dans le parking, mais bon, pas grave, hein, on va faire avec. J'avais qu'à m'y prendre plus tôt. JB est rentré, il regarde le match de foot. C'est pour ça d'ailleurs, hein, je regardais le match de foot et j'ai pas vu l'heure. Il regarde la France jouer, j'espère qu'on va gagner, ce serait quand même bien. On supporte notre équipe de France dans cette Coupe du Monde. Après, il repart. Ce soir, je me retrouve tout seul avec les enfants. Comme je disais, il part en stage. Il va passer un examen là, demain d'anglais au boulot, enfin au boulot à Saint-Dizier. Donc, il y a quand même de la route. Donc, il part ce soir pour être là-bas demain. Donc, on ne le revoit que demain soir. Ça fait bizarre. Je suis une semaine à la maison. Et lui, il est une semaine pas là, mais même en dehors de la maison, qu'on va à peine se voir. Il rentre mercredi soir, jeudi, il bosse toute la journée et il rentre le soir très tard. Je serai déjà couchée, c'est sûr. Donc, sympa la semaine, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Je profite des enfants du beau temps. Hop. Eux, ils sont contents. Ils n'arrêtent pas de me dire, je suis contente que maman, tu sois là. T'es là toute la journée, t'es là toute la semaine, patati patata. Ça c'est super, la puce elle dort encore. JB il est arrivé, je pensais qu'elle allait l'entendre, mais pas du tout. Elle faisait encore dodo. Et là je suis partie pour aller à l'école et elle dort encore. Une vraie grosse dormeuse en ce moment. Mais je pense que la chaleur est faite pour quelque chose aussi. Et elle est excitée comme tout en ce moment. Donc hop, on va fermer un petit peu. Ça lui fait pas de mal de faire des bonnes siestes. Et puis. Si elle dort un peu plus ce soir, elle restera peut-être un peu plus avec nous, elle sera contente. Je verrai, je suis toute seule, c'est moi qui gère, je fais ce que je veux. De toute façon, les garçons, ils regarderont un dessin animé, donc là, ça n'a pas ouvert encore. Ça ouvre. Bon, je vais aller chercher mes garçons, qui vont être contents, parce que papa est à la maison, ils vont le voir le temps du match, et après, il s'en va. Papa dit ça là. Donc,
Du travail. Yasmine, elle va venir avec la voiture du travail et on part tous les deux avec. Oh non, ici, on est passé à table. La petite puce, elle mange tout tranquillement, très bien. Elle danse, là. Pourquoi tu danses, la puce? Tu souffles? Fais de la musique avec la bouche. Fais de la musique avec la bouche. Ce soir, c'est dinde gnocchi. Les enfants sont contents. Je vais pouvoir sortir ma sauce Savora que j'adore. Ça a l'air vraiment très bon tout ça. Papa, il est parti. Au travail. Ouais, aïe. Il a regardé le match de foot. Ouais. Match nul mais qualifié. Et match trop nul. Ouais. Qu'on a dû se coltiner quand même. Hein, mon Toui ? Qui était 0-0. Voilà, 0-0. Les Français, ils ont été nuls. Oui, mais au final, on est quand même qualifié. Hein ? Bah parce qu'on a quand même plus de points que les autres. Ah. Bon, bah bon appétit. Bon appétit. J'ai mon petit Charlie qui s'est mis à la fenêtre de la cuisine. Bon, qu'il est beau. Mais je suis trop petite, je peux pas te faire des câlins, mon bonhomme, là. Il prend le soleil tranquillement à la fenêtre, là. Bon, qu'il est beau, ce bébé. Bon, les petites patounes d'amour. Bon, sinon, moi, comme d'hab, dernièrement, je finis ma journée tranquillement à détendre mon linge. Tant qu'il n'est pas trop tard et que j'y pense, parce que souvent, j'oublie. Donc, cette année, j'ai décidé d'éviter d'oublier mon linge. Parce que ça m'est déjà arrivé que des machines entières restent la nuit. Et donc, le lendemain, il faut qu'elles ressèchent, vu qu'elles ont pris l'humidité de la nuit. Donc c'est pas top, mais bon, cette année, on a dit qu'on faisait attention, donc je vais faire attention au maximum. Ça va falloir que je rende à Marlène, elle m'avait prêté ça le week-end, on avait été chez eux, pour fêter l'anniversaire de Brian. Ils avaient été dans la piscine et Andrea avait sauté entière dans la piscine, habillée. Une fois que j'avais décidé que la piscine était terminée, elle avait sauté dedans, et je l'avais habillée, mais bon. Donc il va falloir que je ramène ça, hop. Pas possible. En plus, je suis à un endroit, j'ai une fourmilière juste en dessous du linge. Vachement top à chaque fois que j'y vais. Mais bon. Hop. Elles sont chiantes. Embêtantes, dirons-nous. Ah, c'est pas possible. Elles me foncent dessus. Bon, bah sinon, cette journée, j'espère qu'elle vous a plu. Hop. Comme toutes les autres. Alors, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Ça fait très plaisir. Je suis très contente de vous voir là tous, à nous suivre assidûment, tous les jours. Regardez les vlogs, regardez toutes mes petites vidéos. Ça fait vraiment très plaisir. On est très contents ici de voir ce nombre qui augmente et de vous voir nous suivre, vraiment. Donc moi, je vais vous dire au revoir. Comme ça, je suis tranquille. Décidément, toutes les robes, dès que je les détache, elles me tombent par terre. C'est pas possible. Donc, comme je disais, je vous dis au revoir et je vous donne rendez-vous demain dans une nouvelle vidéo. Bye bye.